La santé n'a vraiment d'importance que la valeur que nous accordons à l'entretien de notre environnement. Une information qu'a voulu s'approprier le comité constitué par les populations du quartier 5 de Manga, représenté par son chef et ses chefs de bloc. Tous sont sortis tel un seul homme pour combattre l'insalubrité dans et autour des artères de leur quartier qui en avaient grand besoin. Pelles, seaux, machettes, râteaux et bien d'autres matériels ont été utilisés et très utiles pour couper les herbes, curer ou creuser les rigoles et les drains inexistants ou déjà bouchés par l'accumulation des déchets, notamment en cette période des pluies. À cœur voyant, rien d'impossible, car même les odeurs les plus nauséabondes n'ont pas eu raison de la détermination et de la pugnacité de ces populations qui ont du reste reçu des encouragements de M. le sous-préfet de passage au cours de sa grande tournée dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain. Même avec l'apport de tous ces gens, nous devons vous appuyer, même si c'est même 2000, pour que les populations aident, on enlève tout ça. On met même si dans les brouettes, on peut aller dans rambler sur aucun autre endroit. Les gens ont même besoin de cette terre-ci-là. Une halte qui n'a pas laissé indifférent le chef de quartier, qui en a profité pour s'exprimer. Ça, c'est la relance de la journée d'hygiène et de salubrité. Je remercie la population d'avoir compris mes doléances qui m'ont assisté ce 15 octobre 2020, d'avoir fait le problème, les travaux endogènes du quartier. Malgré le manque de matériel et autres choses, nous avons fait avec. Nous avons débouché le pont sous la nationale qui empêchait l'eau de traverser. Et ce n'est pas ma force, ce n'est pas la force de la population. Comme on peut le voir, imiter le bon exemple n'a jamais constitué une faiblesse, car il y a toujours du bon à imiter ce qui est bon. Suivez mon regard.